De ne pas avoir de voiture aujourd'hui dans Paris, c'est merveilleux. Mal ein ganz anderes Erlebnis, hier über die Straße gehen zu können, ohne dem Nahtod, sag ich mal, zu begegnen. It's really nice. Ich habe es lieber mit Auto, wobei das Fahren in Paris verändert sich. Es hat viel, viel weniger Auto als vor 5 oder 10 Jahren. Moi, je travaille ici tous les jours et en fait, de pouvoir marcher librement en plein milieu de l'avenue, c'est vraiment super. Les passants peuvent profiter pleinement de l'avenue. On n'a pas peur des voitures qui surgissent de tous les côtés, comme c'est le cas dans Paris un peu partout. There's no pollution. Es ist deutlich leiser natürlich und sehr viel entspannter. Et puis les gens peuvent tous se croiser de manière un peu différente que quand il y a des voitures. Ich genieße das Meer von Leuten, das nicht so eng ist. Ça pouvait être comme ça plus souvent, ce serait, je pense, le goût de tous les Parisiens de profiter de cette avenue. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, finde ich das natürlich super, weil dann habe ich nichts mit dem Verkehr zu tun und brauche mich nicht auf Autos zu konzentrieren und so weiter. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que à Paris il y a beaucoup de problèmes de pollution. Donc moi je trouve que c'est une super bonne idée qu'on devrait faire ça plus souvent. C'est un big problem for all commerçants. You know, commerçants, the same shop or all shop here. My business, nothing. I have 50% down. Das ist natürlich eine Einschränkung in der Mobilität. Also wenn ich ein Auto habe, möchte ich ja eigentlich möglichst frei damit durch die Gegend fahren. Bien sûr, on ne pourrait peut-être pas le faire partout, parce qu'il y a des personnes qui ont toujours besoin de la voiture, mais dans les grandes villes, oui. Das geht nicht. Da kommen zu viele, das gehen zu viele, du hast zu viel zu transportieren. Klar, jetzt vielleicht für ältere Leute oder so, aber wenn man jetzt in meinem Alter ist, eigentlich gar nicht. Les taxis surtout. Moi, je pense que non. On peut tout faire à pied. Oui, mais le taxi le soir, ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai. Il n'y a pas vraiment de métro le soir. Donc les taxis, c'est quand même très très utile. Après, les voitures des particuliers, je pense que c'est pas nécessaire.